Ok les gars, on va planter nos premières patates. Ah l'émotion, l'émotion est très forte. L'émotion est très forte les amis. Mais ouais, t'attends, pourquoi tu veux pas? Salut à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 4. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir notre warp à magma, notre farm à Iron Golem. Vous allez voir notre AP, oui nous avons enfin un AP sur le PVP Warcraft, donc ça c'est assez stylé. On recrute toujours sur le serveur, donc n'hésite pas à commenter sous la vidéo, juste là. Le gagnant des points boutique s'affiche à l'écran. Je rappelle, plus tu likes, plus tu commentes, et plus évidemment tu as une chance de gagner des points boutique sur la chaîne. Je te souhaite une très belle vidéo et merci de ta fidélité sur cette série YouTube qui m'amuse énormément. Je tiens à te le dire. Eh bien le salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans ma nouvelle ferme. Évidemment c'était travaillé avec la nouvelle équipe. Des joueurs ont été recrutés les amis. Putain mais ça y est c'est fait. Il y a des joueurs. Alors regardez les amis. Il y a Amazing Neros qui est avec nous. Il y a Opopo qui est avec nous également. Xolo Wolf, Noxius. Et puis Amazing Player, donc c'est des gens qui ont commenté évidemment dans la vidéo. Des gens qui sont actifs également sur le serveur et qui ont rejoint la faction. En tout cas très content, donc regardez un petit peu ce que ça dit notre petite farm à Golem. Donc on est en train de gagner un peu d'argent comme ça tranquillement sur le serveur PVP Warcraft. Donc ceux qui ne savent pas encore comment rejoindre le serveur, tout est dans la description évidemment. En fait on a fait une farm automatisée, donc tout arrive ici. Donc les spawners tombent. Il tue, il meurt ici, pardon. Et donc on ramasse le fer avec les hoppers et les coffres, voilà, qui sont juste ici. Et puis bah après on se fait de l'argent, tout simplement. Alors les mecs, aujourd'hui je vais vous présenter un peu nos warps. On a un warp magma qui a été fait par un membre de la faction. Ah merde, j'ai bougé, attends. Donc qui a été fait par un joueur de la faction. Donc on va voir ça tout de suite. Oula. Ok, donc là c'est une belle farm les gars. Regardez, il y a pas mal de spawners. Donc je sais pas trop si elle est rentable encore. Parce que j'ai pas encore farm dedans. Mais en tout cas, il y a pas mal de spawners magma, hein. Cram. Magma cube. Donc là, ils arrivent ici. Puis bah nous, on est là. Et puis on les tape, en fait, hein, tout simplement. Il y a une épée farm qui va arriver sur le serveur. Je pense qu'elle va être incroyable. Donc c'est une épée où, bah tu verras, je peux pas trop en dire ici en vidéo. Mais elle est pas mal. Bon, en tout cas, on est tranquille, hein. Ici, c'est vraiment tranquille ou pépère, les gars. C'est juste pour farm. Attends, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait ici dans cette farm à magma. Attends, parce que moi je connais pas ici, gros. Je vais regarder un petit peu les lieux. Attends, je m'inquiète, moi. Attends, je mine et tout, frérot. Je suis en train de farm. Imagine, il y a quelqu'un qui me prend par derrière. Il y en a qui vont dire, t'aimes ça, mais bon. Un peu de rigolade dans ce monde de violent. Ok, on va éviter de regarder aux alentours. On sait jamais. J'ai pas envie qu'on pète nos spawners. Bon, en tout cas, très très joli. Merci à Mazim Neros. C'est lui qui a fait cette petite magma. Les spawns. Mais toi frérot, tu te prends pour qui toi? Je savais pas qu'on avait un AP. Honnêtement, je savais pas que la fidèle avait un AP. Donc on va aller voir ça tout de suite, on va voir ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous mon AP. Alors, mon AP. Évidemment, en tant que fondateur, je peux pas trop tout le temps non plus gérer ma fac, hein. Vous comprenez, hein, la vie d'acteur. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors ici, tu as des trappes, ok. Là, c'est un peu le bordel, gros. Je suis un peu perdu dans mon AP. Je pense qu'on va s'amuser à bientôt attraper des gens. Ça va être drôle, je pense. Ok, bon bah d'accord, ok, je savais pas qu'on avait cette AP ici. Cette AP va falloir un peu le travailler la faction, hein. La fidèle là, va falloir bouger son trou de balle pour essayer de, hein, de travailler tout ça, hein. La décoration et tout. Prochaine vidéo les amis, on fait un très bel AP, hein, je vous le dis. Allez, sans plus tarder, on va regarder les amis. Donc j'ai eu un petit peu de dragme. Donc voilà, j'en ai 9. Donc tac tac tac. Est-ce qu'il y en a qui s'en vendent dans ce lâchage? Combien ils en vendent ça? Putain, 47 millions aussi frère. Ouais, là, il les vend plus cher, lui. Il les vend plus cher, hein, le filou, là. Ah, il les vend plus cher, le filou. Ah, il nous prend pour un con, quoi, lui. Attends, quoi que... Ah, lui, il les vend moins cher, en fait. Bon, allez, j'achète. C'est important, les gars. Je vous jure que je veux mon item. Attends, on va pas trop faire le fou, aussi, parce que, gros, on va faire un truc. On va faire un truc. Ah, putain. Bon, bah, tant pis. Hop, voilà, on achète des points faction. Bah, je rappelle au fait ceux qui ne savent pas encore sur Warcraft, si vous êtes leader d'une faction avec 5 membres et vous avez un Discord de faction, il faut savoir que le serveur vous offre un pack. C'est-à-dire que vous avez 25 kits, les meilleurs kits du serveur, vous avez 16 spawners à Iron, 16 spawners à Magma Cube, vous avez également un rank-up à toute la faction, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, je vous dis ça comme ça, mais bon. Convertir tout ça, tac, on a 21. D'accord, donc on a notre premier dragme d'émeraude. Là, il y a la hache farming qui est pas mal, qui est assez intéressante. Ah, j'aurais pu en prendre une. Ah là 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 là, je suis trop con. Donc l'épée là, les gars, cette épée là, il faut cette épée, elle est incroyable. Et puis j'aimerais bien avoir ces coffres aussi d'explosion.
L'arc aussi, putain, l'arc est vraiment bien. La pioche à bedrock. Ah, ça me fait chier. Ça me fait chier, je voulais cette petite farming, les gars. On aurait fait une petite plantation de patates ou de carottes, je pense. Ok, je peux pas rester sur un échec. Je peux pas rester sur un échec. Putain, évidemment, j'ai pas assez. Putain, mais merde, c'est pas possible. Comment je peux faire pour avoir de l'argent? Réfléchis, Kev, réfléchis. Ok, je sais comment je peux aller faire, les gars. Donc, les amis, j'ai trouvé un plan B pour essayer d'avoir de l'argent. J'ai été voté sur le site de PVP Warcraft parce qu'on m'a dit que. Bah, on m'a dit. Je le sais un petit peu parce que, évidemment, c'est moi qui les ai mis en place. Il est pote pour un con. Mais en tout cas, les box de vote, ils sont très rentables. Donc, les amis, c'est parti. On va voter. On a voté 4 fois. On a 4 clés. On fait un opening en vidéo. On espère avoir de l'argent. Voilà, 15 millions. Ça, c'est fait. Voilà, bam. Là, je vais pouvoir acheter mon platine. Je sais que dans la box, en plus, il y a des platines en diamant. Oula, qu'est-ce que j'ai eu? Kit de Zeus, pas mal. Allez, le million, le million, le million, le million. Allez. 15 millions, ok. Voilà, comment se faire de l'argent très rapidement, hein, les gars, je vous le dis. Ceux qui disent que c'est pas farm to win, je ne comprends pas. 94, attends, mais je vais regarder un petit peu combien elle coûte dans le shop. Voir si c'est pas moins cher de se l'acheter ici. Elle a 60 millions. 60 millions. Ouais, je vais l'acheter ici. Allez, je l'achète ici. Où est-ce que je vais faire maintenant ma petite farm? Est-ce que je la ferai pas ici, les gars? Je pense qu'on va la faire ici, ma farm. On va être bien avec les petites patates. Je pense que c'est 3 et 3, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense. Voilà, je sais que ça sera pas pour l'instant une farm de ouf. Mais c'est pour voir l'idée déjà un petit peu comment on pourrait s'organiser pour faire une grande farm à patates. Hein. En sachant que pendant les event farm boost, ils sont très rentables hein, ces patates là. Donc, ok les gars, on va planter nos premières patates. Ah, l'émotion. L'émotion est très forte. L'émotion est très forte, les amis. Mais ouais, t'attends, pourquoi tu veux pas? Y a pas assez de lumière, tu vas me dire? Il me faut de la lumière. Là, gros, niveau esthétique, on n'est pas très beau, hein. Mais bon, on s'en fout. Il faut de la patate. Est-ce que là, ça va aller? Voilà. Il fallait de la lumière. C'est parce que j'ai mon slash NV qui est activé. Donc, bah. Tu te doutes bien que. Bah, voilà, moi, je pensais qu'il y avait de la lumière. Non, mais arrête! Y a assez de lumière! Abuse pas! Non, mais arrête, gros! Ah, s'il te plaît! Putain, c'est pas possible! Je vais devoir faire un mur de glowstone ou quoi? Honnêtement, ils vont pas me saouler ces patates là. Honnêtement. C'est pas des patates dans Minecraft qui vont me rendre fou. Hop, allez. Maintenant, les patates, il faut que ça pousse, il faut que ça fume. Donnez-moi de la monnaie, donnez-moi de la moula. Ce qui est bien, c'est avec la hache farming, en fait, les gars. En fait, la hache farming, elle casse, elle replante, elle revend automatiquement les patates. Donc, ça, c'est assez stylé. Bon, bah voilà. Elle ressemble à rien, la plantation. Hein. Elle ressemble à rien du tout les frères la patate. On va quand même finir là. Comme ça, je pense. Allez, si on met un peu de terre. Je pense que comme ça fait un petit effet nature. Ça fait côté nature, je pense un peu. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je trouve que ça fait super joli. Ouais, ça fait beau quoi. En tout cas les gars, je sais pas ce que vous en pensez un petit peu de cette petite farm, un golem, petite plantation de patates. Mais voilà quoi, c'est trop trop bien quoi, on est très bien là, on est très bien les gars, vraiment très bien. En tout cas dans cette vidéo les amis, je vous ai présenté notre farm qui est enfin terminée, hein, la farm automatisée des Iron Golem. Je vous ai présenté notre AP, voilà, qui se déroule super bien. Je vous ai présenté également nos warps, avec le warp à magma et notre warp AP du coup. Je vous ai présenté quelques recrues, voilà, je suis assez content hein, que la fidèle commence à avoir du potentiel. Les prochaines vidéos, les amis, on fera des totems, on fera des KOTH, on fera également des largages en Warzone, donc ça c'est très intéressant pour gagner des points faction. En tout cas, n'hésitez pas, on recrute encore dans la fidèle, donc n'hésite pas à commenter ton pseudo sous cette vidéo, pas de liker, de t'abonner à la chaîne YouTube, et encore merci à tous ceux qui sont actifs et qui suivent cette série, on est déjà à l'épisode 4, c'est incroyable. Merci à vous et très bonne journée, très bonne soirée, bye bye, c'était Kev.